Bonjour, bonsoir à tous, c'est Être Tard pour une nouvelle vidéo d'un projet libre. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer finalement un petit bout du serveur frminecraft.net freebuild. Donc, c'est ici que se déroule le concours d'architecture, donc à la porte numéro 66 dans la section bleue, par là-bas. Et ce qu'on peut voir de ce spawn, déjà, c'est que, à peu près comme le mien est pensé, c'est-à-dire qu'il est très monumental, et que c'est un réseau de portails à lui tout seul qui permet de se téléporter dans différents endroits du serveur. Donc on va peut-être explorer une ville pour voir le type de construction qui se passe ici. Donc je vais aller dans Mégapole, dans la section violette. Donc, la section violette elle est là. Et je pense que je vais aller à l'anneau. Donc l'anneau qui est très inspiré de son nom par le best-seller de Tolkien. Donc on va aller explorer cette capitale finalement du serveur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, hein, tout est fait main. C'est pas des game designers qui sont arrivés et tous les gens habitent dedans, non, c'est chacun a fait à sa sauce et les maisons sont faites par les joueurs eux-mêmes. Donc je vais essayer de trouver un accès à la périphérie de l'anneau. C'est pas gagné encore. Sinon je pense que je tricherai un peu. Donc je pense que je vais tricher. Donc on va pouvoir voir des pixels art, je pense, et puis je vais essayer de faire la visite d'une partie du serveur que j'apprécie. Voilà, faut pas tomber. Donc une grande cathédrale qui est dans la périphérie de l'anneau. Ici aussi c'est pas mal. Une grande cathédrale dont finalement je pense que mon projet ne s'inspire pas, mais qui va y ressembler. Donc l'anneau, la ville en elle-même, c'est tout ça. Donc Minecraft permet quand même de faire des choses assez surréalistes, mais du moment que ça s'intègre bien, finalement qu'il y a une certaine cohérence dans les constructions du serveur, généralement ça ne pose pas de problème. Mais il faut savoir que sur ce serveur-là, normalement, tout ce qui est objet flottant est assez interdit, donc je pense que ça doit être une autorisation exceptionnelle. Donc là, on peut voir des pixel art sur le côté. Alors, je suis pas très friand de ça, parce que je trouve que dans le paysage, ça fait un peu bizarre, mais après, on peut pas dire que les gens qui font ça n'ont pas de talent. Parce que c'est quand même... assez dur à faire. Mais il faut dire que Minecraft s'y prête bien finalement. Donc là, c'est ce bâtiment-là que j'aimerais vous faire visiter, une grande cathédrale du serveur. J'ai dû prendre pas mal d'heures de travail, je pense. Et tout comme mon bâtiment, on va voir que elle est basée sur à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire la symétrie, les axes. Par contre, la voûte est vraiment très imposante et je pense pas faire la même. Ça sera un autre type de voûte, mais la voûte centrale est vraiment très imposante. Ça force au respect. J'appellerais ça la cathédrale de l'anneau. Très 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 symétrique avec l'intersection de quatre axes, de deux axes pardon, de voûte. Alors le petit bémol que je dirais c'est cette partie là. Cette partie là je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus travaillée, mais au regard de... Au regard de ce qu'il y a sur le serveur, je pense que c'est franchement correct.
Il y a eu beaucoup beaucoup de travail. Donc là on est sur la corniche extérieure. Alors je découvre cette partie-là un peu en même temps que vous. Donc voilà pour l'anneau. L'anneau qui est une des grandes villes du serveur, une mégapole comme indiqué sur le titre finalement. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Je vais retourner au spawn et je vais vous reprendre là-bas et on ira visiter ce qui se fait au concours d'architecture. Et je vous montrerai ma parcelle où j'ai commencé à faire des repérages pour la construction. Voilà, à tout de suite. Et nous revoilà donc au spawn, à partir duquel nous allons nous diriger vers le concours d'architecture, donc dans la section bleue. Voilà, ici. Et nous allons prendre la porte du concours d'architecture. Donc là, nous avons des joueurs qui sont déjà là. Alors, là, on est dans une partie spéciale du serveur où on peut voler, où on a infinité de matériaux. Donc tout est prévu pour que tout le monde puisse construire. Donc là, on a déjà des commencements. Commencement de bâtiment. Alors, on ne sait pas encore si c'est d'aspect extérieur, ça peut faire comme des grandes cathédrales. Donc ils utilisent beaucoup l'épaisseur du mur, les différentes teintes pour faire ressortir des reliefs. Donc il y a des travaux qui sont déjà franchement très intéressants. Ici aussi on utilise vraiment beaucoup les axes de symétrie, avec, je pense, là où il y a le bloc de diamant ici, je pense que le spawn sera là. Alors là, on a un joueur, je suis ce qu'il est en train de faire depuis hier soir. Il nous fait un truc franchement énorme. J'arrive pas encore à voir le but final de la chose, mais il avance vite. Ici, on a une forêt de champignons géants, visiblement. Ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Il y en a, ils ont pris vraiment des parcelles énormes. Donc faudra vraiment surveiller ce que ça donne, parce qu'ils ont envie de faire quelque chose d'assez dur à faire finalement. Là, on a un mec un peu chauvin. C'est pas le drapeau français, donc je sais pas quel drapeau, j'avouerai. Bon, là, hier j'ai un peu joué avec ça, ça fait un peu du gris. Bon. Je vois pas beaucoup. Je demanderai au créateur à quoi sert ce levier. Je lui fais bouger les pierres là, mais je vois pas forcément de changement sur le cours d'eau. Ici, c'est une construction très intéressante. Peut-être inspirée de l'univers de Tolkien, tout ce qui est les elfes, tout ça. Et le créateur est juste en train de refaire une montagne. Mais complètement. Donc après, je ne sais pas où est-ce que sera situé le spawn en lui-même, mais ce dont je me doute, c'est que ce sera très intéressant. Donc là, j'explore. Peut-être que le spawn sera par là, effectivement, et ça fera comme une sorte d'endroit caché entre les montagnes par lequel on pourra accéder que par cette grotte. Mais quand j'ai découvert ça hier, j'étais assez bluffé. Donc oui, je pense que c'est vraiment d'inspiration de Tolkien, de l'univers des Seigneurs des Anneaux, puisque là, on a les signaux d'alarme, peut-être. Ça sera à voir. Alors là, on a une construction qui, je pense, est faite pour les riches, parce qu'il y a je sais pas combien de blocs de diamants. Et il y a 4 poteaux comme ça. Alors je sais pas encore le but final. Il est en train de faire des tests, je crois, mais ça sera à voir. Alors là, ici, il y a quelque chose qui est très intéressant. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître un peu basique, mais dès qu'on passe au-dessus, voilà, on peut découvrir un... Ah bah tiens, je vais tomber ici. On peut découvrir un bâtiment qui commence à avoir une bonne tête.
enfin, je trouve le passage pour en sortir. Voilà, c'est là. Juste à côté de ma parcelle, il y en a une avec un dirigeable, donc je vais vous la montrer, et après je vous montrerai les repérages que j'ai fait pour le projet. Donc là, il y en a qui font des châteaux forts, c'est très classique, mais pourquoi pas. Alors, j'ai essayé de me rapprocher du centre, parce que c'est là qu'est le spawn, et ma parcelle est vraiment pas loin du spawn. Donc normalement, plus les parcelles sont petites, plus on se rapproche du spawn. Donc le voilà. Alors ici, je suis prêt à parier que c'est une bouche de crocodile. Bon, c'est pas encore fini, mais je suis vraiment prêt à parier que ça sera une bouche de crocodile. Et donc voilà mon voisin. Où il n'y a plus de dirigeable. Alors il y avait un grand dirigeable qui était juste là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon bah il reste plus que le port d'attache. Alors là je crois que c'est Jotun. Je suis en train de surveiller ce qu'il a fait depuis hier. Il nous fait un volcan. Avec de la fumée en toile d'araignée. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas le même style, mais finalement on retrouve comme un dôme, et avec ces grands piliers de lumière qui descendent, c'est très intéressant. Alors je sais pas ce qu'il y a tout en bas. En galerie et en tunnel comme ça, je sais pas ce qu'il y a à faire après, mais déjà ce qui est fait à la surface représente pas mal de travail. Donc maintenant on va passer à la parcelle du projet. Tiens, j'avais pas vu celle-là. Lui c'est mon voisin, il a dû faire ça dans la nuit parce que hier soir il n'y avait toujours pas ça. Et donc voilà, alors ça paye pas de mine. Mais les mesures ont été faites. Donc là j'ai utilisé un matériau spécial pour pouvoir mesurer correctement. J'avais demandé une parcelle de 64 blocs par 64 blocs. Et moi ça me paraissait déjà énorme. Et il faut savoir qu'il y en a qui ont demandé de 500 blocs par 500 blocs. Donc je sais pas comment ils vont remplir la chose, mais on verra. Donc là j'ai essayé de faire le cercle finalement. Et j'ai déjà fait la partie des cellules tout en bas. Voilà, avec un peu de la pierre pourrie. Comme ça, quand il y aura l'eau qui va tomber, on aura vraiment cette impression d'humidité. Et là, j'ai pas encore commencé à faire le spawn, mais j'ai commencé à la surface à faire les mesures, finalement. Et à partir de là, je pense que je vais calculer la hauteur, et en calculant la hauteur, je voudrais que le sol de l'arène il apparaisse ici, comme s'il était au niveau du sol de tout le monde. Donc là, j'ai calculé la hauteur. Donc là, j'ai 10, plus encore 10, ça va faire 12 blocs de haut. Le dôme va faire 12 blocs de haut, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'on pourrait dire qu'un bloc, c'est un mètre, ça nous fait une hauteur de 12 mètres. Bon. À Rome, le Panthéon est bien plus grand. Il doit faire 6 mètres plus 20 mètres. Ça doit faire entre 30 et 26 mètres. Donc c'est un petit peu petit joueur à côté, mais je n'ai pas très envie de faire des constructions trop grandes. Là, je pense qu'on reste dans les dimensions. La voûte est à la dimension de... La voûte est dans les proportions de du cercle au sol, et je pense que ça sera amplement suffisant.
Donc après, ça sera à voir, c'est un test. De toute façon, c'est un projet libre, ça... on n'attend rien, c'est pour l'expérimentation finalement. C'est un... Ce concours, c'est... on pourrait considérer ça comme un atelier, un workshop, et on verra bien ce que ça donne. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais faire une phase où je vais creuser. Je vais creuser et je vais calculer les hauteurs pour pouvoir commencer à faire le spawn là-dessous. Et je vous reprendrai dès que j'aurai fini ça pour pouvoir créer la voûte avec vous. Mais je ne vais pas rester pour une partie que je considérerais comme ennuyante finalement, où vous allez me voir taper dans le rocher pour pouvoir creuser. Donc ça va faire ça pendant peut-être oui, une heure. Donc ça risque d'être vraiment embêtant. Donc je vous laisse et puis je vous reprends pour vous montrer l'avancée des travaux. Voilà, ciao ciao, bonne soirée, bonne journée.